Bonjour, bienvenue sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook ou alors sur Instagram, je ne sais pas d'où tu vas regarder cette vidéo. Je m'appelle Marie-Laure Perron, je suis médium clairvoyante et j'exerce à Langon en Sud-Gironde. Je travaille à distance, c'est-à-dire qu'on peut faire nos consultations soit par Skype, soit par FaceTime, soit par Messenger. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Et par téléphone, c'est ça. Alors, si tu veux des renseignements, c'est tout ça. Tu vas sur mon blog, Marie-Laure Perron, blogspot.fr. Sur Google, tu tapes Marie-Laure Perron, tu auras toutes les informations. Ce petit message, simplement pour rappeler qu'au bout de 4 fois, quand tu répètes la même chose, ben tu te dis, mais pourquoi les gens ne vérifient pas? Pourquoi les gens ne prennent pas le temps de regarder, d'analyser à qui ils vont avoir affaire? C'est important, arrêtez d'appeler, vite, pop, pop, vite fait, c'est fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Et non, je ne travaille pas dans l'urgence. Donc, si vous avez un besoin urgent pour une décision, dois-je ou pas signer la vente de la maison, je ne peux pas gérer tout ça. Vous devez aussi prendre vos initiatives seules. Cette petite vidéo pour vous rappeler que très prochainement, le 19 et le 20 octobre, nous serons au château de Denonville en Eure-et-Loire. Google château de Denonville. Tu verras que c'est un château magnifique où tu peux organiser ton mariage, ton anniversaire, bref, tu peux te faire plaisir. Le 19 et le 20 octobre, on sera des thérapeutes, aussi bien art divinatoire que bien-être. Tu pourras venir te faire masser, te détendre et découvrir aussi ce qui va se passer pour toi en 2020. Ou alors découvrir qui tu es grâce à l'astrologie avec les planètes. Oh merde, j'ai pris mon premier courrier, j'ai oublié. Il y a les signes astrologiques et il y a les planètes. C'est tout ce que j'ai retenu. Non, je plaisante. J'ai reçu mes cours. Maintenant, je vais pouvoir relire et je vais pouvoir réécouter le cours qu'on a eu hier soir. Un petit clin d'œil et un grand merci au professeur. Donc, le 19 et le 20 octobre, si tu as envie de savoir qui tu es, si tu as envie de découvrir ce qui va se passer 2020, 2021, quelles seront les tendances, si tu as envie de prendre soin de toi, j'attends une réponse, mais on devrait avoir encore de beaux produits qui vont venir. Eh bien, c'est le moment, ce sera le premier week-end des vacances scolaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait le premier week-end des vacances scolaires? On prend du temps pour soi. On vient se détendre, on vient se dire et on vient découvrir tout ce que peut t'apporter le massage bien-être, tout ce que peut t'apporter la méditation, la lithothérapie, la sophrologie. Bref, viens nous rencontrer le 19 et le 20 octobre au château de Denonville, en Eure-et-Loire, au cœur de ce château où tu vas pouvoir aussi te détendre parce que c'est un lieu où le temps s'arrête. C'est un lieu qui pour moi est magique, où tu te sens super bien. Parce que tu pourras aussi manger, parce que sur place, il y a quoi? Il y aura un food truck, il sera là de toute la journée de samedi et de dimanche. On pourra manger du salé et un peu de sucré aussi. Donc voilà, premier week-end des vacances scolaires, tu fais quoi? Tu viens à Denonville, tu viens découvrir le bien-être et les arts divinatoires. Sache qu'il y aura des thérapeutes de ville et village à côté. Il y aura des gens aussi de la région parisienne. Il y aura des gens qui viendront de Dreux. Parce que Denonville est super bien placé, c'est ce qui nous permet de drainer pas mal de monde et de thérapeutes intéressants. Voilà, si tu as envie, bah viens nous voir, viens nous rencontrer, il y aura des conférences, je réponds aux messages que je reçois. Je vous mets le planning des conférences, promis, soit ce soir, soit demain matin, sur le blog, sur ma page Facebook et sur Google. Il y aura des conférences très très intéressantes pour découvrir pas mal de choses. Donc, sachez que moi, je ferai une conférence le samedi et le dimanche d'1h30 et on essaiera de faire pas plus. On vous fera découvrir la médiumité, on vous fera découvrir la méditation, il y aura aussi la découverte un peu c'est quoi l'astrologie. Il y aura aussi sur comment se booster, comment oser changer de vie, comment prendre soin de soi et croire en soi. Et on a la chance dimanche matin de recevoir Sandrine Gentil qui a écrit le livre « Le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie ». Cette femme, j'allais dire cette nana super sympa et dynamique, est venue en Gironde l'année dernière nous faire une conférence pour nous parler de son changement de vie. Le côté on tient beau, on ose changer de vie, elle viendra à Denonville. Oui, j'ai eu de la chance parce que ce sera dimanche matin, elle habite à Paris,
Bon, de Nonville est à 1 heure de Paris, mais j'apprécie énormément ça, qu'elle puisse venir nous voir, parce que dans sa conférence, elle va nous expliquer comment il faut oser, comment il faut croire en ses projets, comment il faut tenir. Elle vendra et dédicacera son livre « Le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie ». Donc dimanche matin, elle sera avec nous au château de Nonville. Voilà, c'est bah, je remercie parce que c'est vrai que je l'ai pris un peu de court. Elle est très demandée parce que aussi elle organise un gros truc sur Paris. Donc c'est super sympa de sa part. Je sais qu'elle va pouvoir aider des hommes et des femmes qui veulent changer de vie, qui veulent croire en leur projet et qui n'osent pas. Et ça, c'est super important. Petit clin d'œil à la personne que j'accompagne en ce moment qui va fermer sa société pour ouvrir autre chose sur un nouveau concept. C'est super important. Croyez en vous, faites-vous plaisir. Le job, d'accord, mais un job plaisir, c'est aussi important. Parfois, on n'a pas le choix, vous allez me dire, je sais. On choisit un peu nos vies et on essaie de faire en sorte qu'elles soient positives, notre vie, parce que c'est quand même pas facile tous les jours. Donc voilà, 19-20 octobre, si tu as envie de nous rencontrer en vrai, en chair et en os, eh ben t'hésites pas, le 19 et le 20 octobre, le premier week-end des vacances scolaires, tu viens au château de Nonville, tu viens te faire plaisir, tu prends du temps pour toi. Et puis bah voilà, il y aura du massage assis, il y aura du massage sur table, il y aura de la réflexo, il y aura tout. Ça va être super sympa. Je crois en ce projet qui, en fin de compte, ne devait pas du tout se faire dans ce lieu-là. À un peu moins d'un mois, changement, bon, bah, j'expliquerai pour ceux qui le savent. Voilà, un gros changement de salle, annulation, mais moi je tiens bon. Je me suis dit, mais attends, ne te laisse pas abattre, repose-toi et rebondis. Et ben, je rebondis. Bon, ok, je suis un petit peu ronde, donc je peux rebondir facilement, mais j'ai rebondi et ça, c'est important. Comme quoi, il faut tenir. Alors oui, c'est pas facile, parce que les exposants qui devaient venir sur l'autre projet ne viennent plus. Ben voilà, parce qu'il y a eu le lieu leur correspond plus. Bon, ben, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, j'ai envoyé des emails, j'ai contacté mon réseau. Le réseau est important. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que, eh ben voilà, le réseautage sur Facebook, le réseau aussi entre thérapeutes, ça a fonctionné. La pub, et oui, il y en a qui ont découvert que j'organisais un salon des arts divinatoires. Ils sont voyants, ils sont tarologues, ils ont proposé leur candidature. Je les ai eu au téléphone quand même pour vérifier. Le feeling est bien passé, donc ils viendront. C'est une question de feeling, ce salon va correspondre à de belles énergies. On est là, c'est le premier week-end des vacances, on est là pour se faire plaisir, on est là pour découvrir comment aller mieux, comment se faire du bien. Et ben c'est ça. Donc même si le projet à la base n'était pas du tout à cet endroit-là, j'ai osé appeler le château de Nonville, je leur ai expliqué le concept. Je leur ai dit, voilà, j'ai pas de salle, est-ce que c'est possible chez vous? Il n'y avait pas de mariage, j'ai eu de la chance. Cette chance, je l'ai saisie. Et après, j'ai appelé, j'ai envoyé des emails, j'ai appelé je ne sais combien de thérapeutes, je ne sais combien de personnes. Au début, honnêtement, ça leur fait toujours peur, arts divinatoires et bien-être. Puis après, quand je parle avec eux, ils s'aperçoivent que les arts divinatoires, c'est quand même assez sympathique aussi. Et on n'est pas tous des farfelus dans ce milieu-là. Donc, 19-20 octobre, château de Nonville, tu viens nous voir, tu viens te faire plaisir. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, bah, à très bientôt, parce que bah, c'est bientôt de Nonville, voilà. Allez, partagez un max, et on n'oublie pas quoi? Abonnez-vous à ma page YouTube. Il me manque encore, je crois que je suis à 903 abonnés. Il en faut 1000 pour que je puisse faire mes directs ici, avec mon téléphone, n'importe où, à n'importe quel moment, sur YouTube. Donc là, c'est un enregistrement. Je le bascule directement sur YouTube avec Internet sur mon ordi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt et puis abonnez-vous, ciao!